Et ok! Et salut à tous, c'est Récalcos, on est parti pour la suite du pèlerinage des gardiens de Diablo 3, saison 15. Oh là là, les saisons s'enchaînent super bien sur ma chaîne, surtout sur YouTube, c'est fou. Mais enfin bref, toujours utile que j'ai commencé le chapitre la semaine dernière. J'ai fait quelques séances de PL, comme la séance qu'on a vue précédemment. Et cette semaine encore, ça va être une phase de... Peut-être pas une phase de PL, même si je sais qu'il y a eu de la connexion là. Mais je crois qu'il est déjà en mode ultra concentré. Oui, il fait des failles, etc. Mais je pense qu'il doit être déjà avec quelques-uns de ses amis. C'est pour ça que je ne le vois pas affiché. Mais toujours est-il que je vais jouer un super nécromancien. Car, comme vous le savez, j'ai vu les conquêtes. Et il me faut obligatoirement un deuxième perso. Donc, du coup, j'ai décidé pour cette saison d'utiliser le nécromancien. Mais vous inquiétez pas. Quand j'aurai vraiment le temps de pouvoir. Farmer à fond et faire ce que j'avais prévu à la base, à savoir monter d'autres personnages que le chasseur de démons. Le nécromancien aura le droit à sa saison à lui, mais pour l'instant, il va être juste un gars secondaire pour faire quand même des failles 55 avec tous les ensembles de sets. Donc maintenant que je les avais maîtrisés, rappelez-vous, la dernière fois que j'ai utilisé un nécromancien, ça date de. Je sais même plus l'année, dis donc. Ça doit être la saison 9 ou 10 où il fallait que je réussissais 8 donjons de sets différents. J'ai utilisé féticheur, chasseur de démons et aussi le nécromancien, mais j'ai surtout tryhard le nécromancien que il avait des ensembles de sets complètement abusés. Même s'ils ont équilibré tout ça la saison d'après, donc finalement j'ai des conneries, ça doit être saison 12 ou 11. Mais ça doit être à peu près quand il est sorti que j'ai voulu tester et ça marchait super bien. Mais enfin bref, toujours est-il qu'avant de commencer, je dois d'abord l'équiper. Voilà, ça c'est fait. Je vais en profiter. D'ailleurs, il faudrait quand même que il pense un jour à rassembler tout le monde. Au niveau de l'inventaire, j'ai un templier qui pue, alors que de base, j'ai quand même de sacrés trucs. Donc je pense que je vais partir sur du tanking, que je vais mettre la catalyseuse enchanteresse. Généralement, quand je monte un autre perso, j'utilise toujours l'enchanteresse. Par contre, j'ai ce qu'il faut. Non, c'est pas lui qui l'a, c'est le chasseur de démons. Je le ferai du coup dans 1 heure. Toujours est-il que quand même quelques petites choses à paramétrer avant de commencer. Donc déjà, Enchantress, bah, viens avec moi. Et je vais aussi déjà monter mes parents vont. Alors là, je 532 en une semaine, c'est un record. Hein. J'ai jamais été aussi élevé en si peu de temps. Un grand merci à ma communauté d'amour que j'aime. Bon, on va partir sur vitesse d'attaque avec lui. Résiste à ça. Armure. Dégâts de zone. Ressources. Vie par coup. Pour l'instant, il pue du caca, mais ça va aller très vite. Parce que j'ai une magnifique Thunder! Thunder niveau 70 qui fait énormément de dégâts. Là, je suis déjà. J'ai déjà 6000 de dégâts alors que je vais en faire beaucoup moins. Et il faut rappeler que la Thunder, quand je fais des attaques, ça fait une grosse AOE qui fait beaucoup de dégâts d'armes alors que l'arme fait vraiment énormément de dégâts. Il me semble qu'elle est. Ah ouais, 1900 de dégâts. Voilà, je suis déjà niveau 6. Et comme. J'ai oublié de le préciser, ça aussi. Tellement de trucs à réapprendre. Ce bordel. Donc comme j'ai la gemme légendaire qui m'a permis de m'équiper d'un loot 70, c'est la gemme légendaire qui donne des bonus XP, donc du coup je vais monter très très vite. J'ai eu 8. J'ai monté. Ah non, on n'est pas bon, c'est vrai. Portrait. Portrait, portrait. Hop, équipé. Comment comme ça? Popo. Oh, peut-être plutôt un étendard. Mais... c'est surtout la mascotte. Allez, cousin machin.
Voilà, là je suis prêt. Que je me rappelle des attaques parce que là je fais que des attaques de base et c'est suffisant. Tac, tac. Ça va très très vite. Hein. Je m'équipe de tout là. Ah, on est niveau 42, on est content. Déjà du 15 000 de dégâts, très bien. Non, 10 minutes chrono, c'est déjà fini. Hein. Oh ouais, en plus, je peux aussi m'occuper du cube. Mais je pense que je vais tryhard le nécromancien pour essayer d'avoir tous les trucs au cube. Parce qu'à force d'avoir celui du chasseur de démons, ça commence à être lassant quand même. Allez, je personnaliserai tout ça quand il faudra. Ah ouais, on est passé d'un niveau pourri à du one shot. Très bien. Ah, c'est logique, c'est logique. Ok, stop. 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 J'aurais eu la difficulté en T1. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Et je l'ai fait. Donc ça, c'est ce qui se passe quand vous changez de salle et que vous avez monté je sais pas combien de niveaux. En plus, c'est des putains de gosses de merde. Va se mettre en normal. J'ai tenté de... Difficile. Faut arrêter quand même. Du stuff. Ah ouais, c'est pas vite, hein. Ah, la différence. Là, on est monté tellement vite qu'on n'a pas de stuff. On veut pas de ça. Oh. Je veux. Tenter 1% de dégâts. On s'en fout du verre. Hop. Ah si, aussi. Bleu bleu bleu. Explosion en chaîne. Bleu. Bleu, bleu, bleu. Ça compte quand même que pour un. Bleu, bleu, bleu. Donc là, mon objectif avec le nécromancien, comme je l'avais dit, c'est... C'est vraiment de partir du fait d'avoir tous les ensembles de sets nécessaires pour pouvoir faire la conquête la semaine prochaine sur... Je ferai la conquête des ensembles de sets. Donc les failles supérieures avec plusieurs ensembles. Donc là il me semble qu'il faut que j'en fasse que 6. Donc j'ai besoin au moins d'en maîtriser 2. Plus 4 du côté du chasseur de démons. Si c'est pas le cas, au moins j'ai 2 persos pour pouvoir le faire. Il ne devrait y avoir aucun problème dessus. Une niveau 48. Le torse m'intéresse. Le cristal m'intéresse.
de sang, j'en veux. C'est pour le niveau 70. Un torse, j'en veux plus. Ça, j'en veux pas. Brigand, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Moins 0,1, mais il a un châssis. Je sais pas ce qu'il faut. C'est dommage. Et 0,1 tel. Tac. 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 Bim. Ah là là là. Sur les pics. Sur les attaques de base pour l'instant. Oh là là, il faut que je revoie toutes les attaques. Je vais réapprendre le nécromant. Ça fait longtemps que j'y ai pas touché. Moi, je suis que chasseur de démons et féticheur, donc. Apprendre tout ça, c'est long. Million de trucs. Perdu mes soldats. Explosion. J'adore les poulets. Ah ouais, j'adore le truc avec le gros saoul comme ça. Rigolo. Même si je maîtrise pas le perso, on voit quand même que c'est pété. Hein. Complètement abusé. Et avec l'enchantresse qui joue le contrôle avec transformation poulet et tout. Vraiment rien à redire. Bon, si je parle pas, on va s'ennuyer dans ce stream. Pic, 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 pic. Explosion! Non, non, pas toi! Non, pas toi. Moi, explosion. Toi, couché. Toi, mort. Même les ennemis s'y mettent. Michael Bay présente, je suis un nécromancien. Même les ennemis explosent, tout explose, les coffres explosent. Le décor explose. Feu d'artifice. Alors, on apprend des nouvelles attaques, toi, tiens, tiens, tiens.
Dan. Bon. Oh là, on va rattraper un hooker. Oh là. Explosion Michael Bay, même, je peux même sauter les murs, dis donc. J'ai l'impression de braquer une banque dans Payday. Explosion. Faites sauter la banque. Ah, voilà, mon ami. Je suis en mode, attends, je fais des explosions Michael Bay, j'arrive. Préviennent que je suis en. J'ai même pas prévenu que je suis en ligne, hein. J'ai juste prévenu que si tu veux me PL, c'est. Ah, nano. On verra l'invitation. Fin de partie dans 10 secondes. Donc là, comme la séance précédente, je l'ai dit, je vais faire une petite phase PL. PL nécromancien, ça va être beau à voir parce que je vais devoir m'entraîner. Donc je vais me préparer à récupérer les loots spéciales nécromant après. Voir là-dessus. Ou je vais essayer de. Voilà, 33%, c'est mieux. 100%, c'est mieux. Et le reste, ça dégage. Donc, du T6, tranquille. Cuisiner et servir du gruau toute la journée, ça n'a rien de très glorieux. Est-ce le temps? Hop! Alors, on a ça. On a la couronne de Léoric, mais on s'en fout. Et on a pas d'armes. Hop, c'est parti. Ça va aller très vite. Hein. On est en T6 et je me fais PL. Ça va aller très vite. Ah, il est parti. Ah, j'ai pas prévu les brassards de Némésis, je les ai pas. Je me prépare à faire un stuff aussi. Il est parti. Michael Bay. Oh putain, non. Non, fais pas le con, fais pas le con. Je fasse pas le con, là je perds d'XP. Michael Bay. Michael Bay. Ouah. Ouah. J'achève les cadavres! Bam, 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 bam! Encore des cadavres! Bam! Kaboom!
Que boum. Oh, une prison! Oh, la prison! Plus lentement que ce que je pensais, quand même. Donc, dû baisser la qualité, quand même. On entend un petit loup jaune. Et moi, c'est une grande prison, quand même. Oh oui, c'est une grande prison. Oh, la perfection. Toujours plus fort. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Tout droit, voilà. Nickel, il a tout compris. Oh, une hache. Je préfère la Thunder. Regardez, hop là, plus d'un tel. Donc on est sur du T670, donc je me fais défoncer, c'est normal. Il faudrait que je trouve une cape qui serait meilleure. Pour l'instant, on est sûr, non. C'est... Mon maître serait fier de voir ça. Oh. Ton Max. Connecté. Ma connaissance s'étoffe. Encore. Ici. Nickel chrome. Ça dégage. Rush. Je vais me téléporter directement. Par contre, ça sert à rien, je n'ai pas... Qu'elles sont mi-homme, mi-loup. Mais ne les ayant pas vus de mes yeux... Plus 20%. Plus que dalle. Plus 8% de dégâts. Les ravages qu'ils laissent sur leur passage suggèrent que le pire est à craindre. Je suis mort, je sais pas pourquoi. Ah, je sais mort, je sais pourquoi. Y'a rien. Y'a rien, je... Il me l'a tué. En plus, il donnait deux cristals, voilà. Et bon, on reprend. 62. Ok. Il y a des mauvaises sphères, c'est bien. Grenade impériale. Émeraude impériale, non pas grenade. Bon, ça monte. Ah si, 15% de robustesse, c'est mieux. Cet adversaire va rendre l'âme. Une bague.
Niveau dégâts 68 000. Ah ouais, quand même. Que dalle. Oui. Par contre, ça me plaît. 1 million de robustesse, ça c'est bien. Je pense qu'on est bien niveau robustesse maintenant. On va avoir du mal à me one-shot. Il reste plus beaucoup de XP à se faire. Ce faucheur porte certes une lourde épée, mais c'est son bouclier quadrillé de pointes acérées qui représente. Ah ouais, on a un parangon 80, ah ouais, il pèle tout le monde. Le spécialiste du PN, notre ami Geoffrey. Ce bouclier n'a pas vocation à protéger ni défendre. Il n'a été conçu que pour blesser, mutiler ou tuer. Bon, il aime bien faire ça. La grande passion de PL des gens. Juste qu'on est un petit peu en T6 et tout. J'avais cru que c'était moi qui faisais un tir multiple. Émulette! Ouais, il y a un niveau. Et encore deux niveaux. Deux niveaux et tu vas pouvoir régler la difficulté. Je ressens du Michael Bay explosion. À quoi ça sert de faire des explosions? Je sais pas! Je sers à rien en T6! Je suis que niveau 69! Oh, nécromancien, c'est un comble! Oh non, on arrive à la fin de la faille! Oh non, ça sera encore plus le comble! Que je sois au milieu du niveau là! Trouve une solution! Trouve les trois mobs qui restent! L'autre à côté qui monte ses parangons, non mais ça va pas. Faut dire que le parangon 84. C'est bon. C'est bon. Il reste 3 mobs. Il reste 3 mobs, c'est bon. Niveau 70, attention. Tada. C'est bon, c'est bon, je peux m'équiper, c'est bon. Pour l'instant, un peu de robustesse. Ça surtout. Ça aussi. Ça dégage. Tac. Voilà. Pardon, monsieur. Bon, j'ai beaucoup de taf là sur lui. Je peux toujours faire tout exploser. J'aime les explosions. What? Plus 29%. Je prends. C'est bon. It's okay. Oh là là là, je revois tout. Je reverrai ça hors stream. Non, je suis obligé de voir maintenant. Alors, consumer un cadavre, on s'en fout. Consumer un cadavre, consumer un cadavre. Ouais, ouais, c'est bien. Lance d'os, ouais, ça c'est bien. Augmente la vitesse d'attaque de votre pointe osseuse, ouais, pourquoi pas, allez.
Tous les recherches, on s'en fout. Ramasser un globe de vie, on s'en fout. Vos serviteurs obtiennent 200, ouais, on s'en fout. Quand vous subissez des dégâts face à ça, vous devenez insensible à tous les dégâts, blablabla, on s'en fout. Récupérez 10% de points de vie par coup, on s'en fout. Vous ne pouvez pas perdre de vie pendant 4 secondes après avoir utilisé Royaume des Morts. Ouais. Pointe d'osseuse dans vos esprits, infligez 1% de dégâts sur le terre, partant de 1,5 mètres et vous avez jusqu'à un maximum de 20. Le coup en retour de vos malédictions, on s'en fout. Vous infligez 1% de dégâts supplémentaires, vous devenez victime de malédictions, on s'en fout. Le coup de ce mort, on s'en fout. Augmente la durée de magie, la compétence de poison. Ouais. Oh, y a que ça. Bon, après, il va falloir quand même que je réapprenne parce que je crois que je n'ai absolument pas de lance d'os pour l'instant. Ah, si, il est là. La lance devient trait de sang. Non. L'os, c'est... Les dégâts augmentent à chaque ennemi transpercé. Donc, on quitte. Il va passer en T13 et on va pouvoir reprendre. Par contre, ouais, je vais 2 secondes, je vais chercher Greta 2 secondes. 2 secondes. Voilà. De toute façon, ils comprendront. Je vais juste chercher les clés. Chercher les clés. Les clés. Et les brasseurs Nemesis. Et la catalyseuse. Et non, ça se gère. Voilà, hop. Change de héros. Hop. Hop. Hop, voilà. Et les clés. J'ai pris les clés. Ah, mais je suis trop débile. J'ai pris la clé. Mais j'ai pas pris... Attends, j'ai pas pris les... J'ai pas les gemmes. Attends, je cherche les gemmes. Les gemmes. Ça, je switch. Comment c'est sans moi? Je sais pas, faites quelque chose. Voilà, soyez pas débiles. Vous voyez bien que je suis occupé. Là, faites pas les abrutis. Hop, tac. Hop, tac. Hop, tac. Voilà ce que je dois monter au niveau de mes gemmes. Tac, 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 et tac. Et on s'en fout du reste. Hop, hop. Ça va bien. C'est le bordel! J'aime pas quand mes coffres sont pas organisés! Ça, c'est organisé. Hop! Tu vas! Je suis là. J'arrive. Du T10. Je sais pas pourquoi il fait du T10, mais je crois qu'il a. Non, il a pas les rolls. Quoi? Pourquoi? Je comprends pas. Ah putain, non, je suis trop con en plus. Et le robot aussi, il est mieux. Même si c'est pas vrai à cause de la gemme. Donc la fossile, je vais la garder. Tac 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 tac. Je suis vraiment en mode. Pardon. J'ai un nécromancien, mon teint est pâle. Je suis très roleplay envers mon nécromancien. Et Michael Bay malade. Tchoum. Pardon, j'ai éternué. Tchoum. Michael Bay présente le nécromancien éternueur qui fait des explosions. J'ai jamais eu cette idée-là. On voit la peste noire. Non, tant pis. On s'en fout. Bien vu. Alors là, l'objectif vraiment c'est. Du T10, je fais 0 de dégâts.
Donc j'allais dire, ouais, avant de m'amuser, c'est d'avoir tous les ensembles de sets maintenant du nécromancien. Comme ça, la semaine prochaine, là, ce sera du pur solo. Et le but, ce sera de récupérer le maximum de trucs, de pouvoir tout dépenser, finir au moins les conquêtes. Notamment celui des ensembles de sets. Voilà, merci. Il faut pas que je meure. Hein. C'est dur de pas mourir. Et Parangon 532 et JXP pas là. Je ne peux que mourir. Je peux que perdre du temps là-dessus. Je peux même pas vous dire si je fais des dégâts. Normalement, c'est 100 millions pour commencer vraiment à leur faire du mal. Tout ce que je ne suis pas. Voilà. Une hache. Non, je veux ma hache. Je suis là. Un casque. J'en fous, ce qu'il me faut, c'est. Du stuff. 31%, je prends. Un fend le ciel. Qu'est-ce que c'est? Ah, des gemmes. J'aime. En faux. Là, de recycler. Archer! Me one shot pas, très bien. C'est des gros enculés. Je tenais à le dire. Vous m'avez laissé tout seul. Je meurs en boucle. Vous êtes méchants. Le gardien, il est là-haut. Le gardien, il est là-haut. Ouais, faut pas que je meure. Faut pas que je meure. Faut pas que je meure. Je récupère les clés. Les clés. Désolé, j'ai le nez qui coule. Peut-être que ça se voit. Quelle piètre performance je fais. Ça se rattrapera la semaine prochaine. C'est juste pour montrer à quel point c'est agréable de se faire PL. Après, je sais pas, à chaque fois, à chaque saison, je me pose la question de savoir si faire la faille 70 avec un perso, ça débloque tous les loots de tous les autres persos en mode primordial. On a un peu d'armure. Tant pis pour les dégâts. Il me faut de l'intel à gogo. Il peut se barrer ou il continue? Il continue. Non! Il ne va pas mourir à nouveau. Et je ne fais que ça de mourir. Je suis trop con. J'arrive. J'arrive. Le bélier. J'ai marre de crier. Bah, j'ai mal. On m'envoie des grenades. Mais c'est moi, Michael Bay, c'est pas vous. Pourquoi? Donne une claque dans la gueule en plus. Ok, d'accord, c'est toi Michael Bay. Je me sens vaincu. Ça va. Pas mal malin quand j'aurai mon ensemble de 7. N'importe lequel. Une épée. Pas un ensemble de 7, ça. Et ça se mange pas. Il est ancien. Ouh. Ouh, le joli joujou. Ouh. Dis joli joujou, mais faut pas. Non, c'est pas joli joujou, j'ai rien dit. Ah, les épis. Je me permets. Ah, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'étais un ennemi. Je confonds mes propres collègues avec des ennemis.
Il doit être vraiment con comme nécromancien. Putain, un nécromancien qui est mort. Je suis un nécromancien qui meurt. Mais quel comble. Je domine les morts. Mais je meurs. Oh, rigolo. Piou, piou, piou. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Encore Michael Bay qui me poursuit. Au secours. Non, c'est pas moi, ça. Ça, c'est... Oula. Ouh, plein d'ennemis, là. C'est la fin. Regardez, Michael Bay, il a tapé le... Quelle sorte de démon. Ouais, GG, le parangon. Piou, piou, piou. Ouais, niveau de parangon, trop bien. Plus d'intel. Donc finalement, j'ai quand même level up. Pas si dur. Ouh, on fait des dégâts. Alors, moi, je veux des gants. Ouais, des gants. Ou des épaules, plutôt. Ah ouais, les épaules. Il faut des épaules légendaires, s'il vous plaît, madame. Ah, du 4,7, c'est très bien. Bon, bon, bon. Vous n'avez pas des épaules légendaires? Non. Vous n'allez pas me donner des épaules légendaires? Ouh, du stuff. Pour qui le stuff? Pas pour moi, hein. Oh, tiens, enchantresse. Tiens, cadeau. Et une thunder. Le mérite. Alors ça, ça va là. Ça, ça va là. Ouais, ça. Les épées, les bambous. Sorte de démon. Ouais, c'est de la merde. Deux épaules, s'il vous plaît, madame. De préférence légendaire. Salope. Non, j'ai rien dit. Salope quand même. Oh, des épaules de merde. Ça me fait des épaules légendaires. Je m'en fous. Donc on récapitule les gemmes. J'en ai un niveau 25, un niveau 13. Il me manque un là. Donc il est le dernier. Il est là. 25, 13, 11. Je peux en faire un cadavre. On a plein d'ennemis méchants. Attendez, j'en ai marre de faire des explosions débiles. Mourir comme une merde par des ghosts. Putain, je meurs à cause de fantômes. C'est au scandale. Oh, une cuirasse. Ce qui m'emmerde, c'est que... J'ai déjà une cuirasse d'ensemble de 7. Ah, je mourrai. Au secours, je suis attaqué par des... Je sais pas quoi. Je sais pas quoi, tellement j'ai peur. Et une nouvelle mascotte qui me poursuit. Nouveau jouet. Putain, je suis mort par autre chose. Je peux même pas ouvrir mon inventaire, c'est chiant. Voilà, faut que je bouge. Je passe ma vie à bouger. Là, je bouge. Oh là là, un éclair et je suis mort. Voilà. Ah, c'est ce que je m'amuse. Non ! Non, je l'ai vu, l'explosion Michael Bay. C'est pas un gros texte. Oh putain. Ouais, double mort. On est mort comme des caca. Non, il y a un loup de verre. Il y a un loup de verre là-bas. Il a tout traversé.
Mon loup de verre. Casse-toi. 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 Au secours. Oh, quel boulet. Ça fait au moins 2 semaines que je suis un boulet. Chiant. Laissez-moi looter. Ah, il envoie des boules de feu. Un ennemi. Un ennemi en T10. La prouesse. S'il vous plaît. Ennemi partout, des squelettes. Qu'est-ce que je peux? Lui, il est méchant. J'aimerais bien faire l'explosion en clic gauche. Mieux. Ah, mortier. Un ennemi d'élite. L'autre, ouais. Encore, encore. De collier pourri. J'ai ramassé un collier. Vous êtes mort par des corbeaux. Je croyais que c'était pas des ennemis. Laissez-moi juste prendre ces gants magnifiques de ta goule. J'ai les gants de ta goule. Oh, je sais même pas quel est le stuff au petit, c'est chiant. Je vais apprendre, allez. On est tous passés par là. Et je remanga le jeune trou du cul qui devient super balèze à la fin. Ah, vous êtes mort par un tourbillon de votre ami. Ouah. Le barbare déteste les nécromanciens. Des brasseurs de Némésis, mais j'ose pas parce que sinon je vais faire comme un certain psychoquack. Me suicider pour rien. Je vois rien. Où qui est le boss? Un bâton. Un anneau. En tout, je m'en fous. Il y a un ennemi dolé ici. Ça se dégage. Ça se... Ouais, il y avait un stuff qui m'appartenait pas. Je crois qu'il était au chasseur de démons celui-là. Bonjour. Ok. Ah, il est déjà pas en 106 l'autre. 107. Eh oui, on ne peut pas monter de parangon. Quand on peut mourir comme une merde. Et moi juste me gratter le nez 2 secondes quand même. Je peux même pas faire autre chose que bouger comme une merde. Je peux pas me gratter le nez. Je peux pas me moucher sans mourir comme une merde. Je peux même pas ouvrir mon inventaire. Faut pas cligner des yeux non plus. Aïe. Je faisais que bouquiner, je vous jure. Ah, tibia de Léoric. Le tibia de Léoric dans une feuille. Y a pas un champignon pendant qu'on y est. Pourquoi vous passez par là? Bon, je bouquine. Ah cool, 4000 pièces. Et passez où ma mascotte là? Eh là, cousin machin, t'es où? Pourquoi t'as pas ramassé les loot? Ah, les pièces. Un cling. Une hache. Je suis le nécromancien bûcheron.
Explosion! Je fais zéro dégâts, trop bien! Ça ne va pas tarder. J'ai zéro ensemble. Et je précise que je n'ai pas l'anneau des ensembles 5. Je veux dire par là, c'est l'anneau de... je sais plus quoi. Je crois que l'anneau impérial... je sais pas. Ah, t'es mort comme une merde! D'accord, j'ai rien dit. Et je me moque plus, promis. Ou pas. Viens. 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 Prends-toi mon gros... je sais pas quoi, là, de... je sais même pas comment je pourrais appeler ça. Torpille osseuse. Harpon. Harpon. C'est un harpon d'os. Mais pas dans l'eau. Perceuse en ivoire. Bleh. Ah, trop de... il y a des asticots, c'est mon pire ennemi. Les nécromanciens, ils aiment pas les asticots. Ah, j'ai été tué par une fléchette et un asticot, je l'ai vu. Ils sortent des trous de... je sais plus ce que je dis. Ils sortent par le sol. Perceuse laser. Perceuse en ivoire. Je suis bien content de ne pas être le seul à mourir comme une merde. Perceuse de dentier. Bzz, bzz. Explosion Michael Bay. Ah, il y a des techniques de ouf ce nécromant. Et encore, j'ai pas encore choisi. C'est juste les techniques de base que tu débloques dès que tu atteins le niveau. J'ai pas encore personnalisé pour avoir de super techniques. Attaque des dents de ta mère. La perceuse en ivoire. Les explosions de Michael Bay. Et les dents de ta mère. Oui. Les super techniques du nécromant. Disponible dans le super DLC Diablo 3. C'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi. J'ai pas tué le chasseur de démons. Pas moi du tout. Moi, je faisais juste des explosions. À la Yvan le fou. Ah, explosion foireuse. Encore. Vous êtes où les copains? Je peux pas combattre tout seul. Regardez, ça sert à rien. Les pétards mouillés pour eux. Vous êtes partis. Putain, les enfoirés. Ah, c'est Cassos direct. Hein. Allez, on va rendre tout ça et je vais faire la première coupure tout de suite. Je vous dis à tout de suite les gens pour la suite de mes aventures.